qu'on inventait une histoire où Casper serait le gentil fantôme. Qu'en penses-tu? À condition qu'il se fasse des amis. Oh, j'ai trouvé. Quoi? Casper au royaume de ma mère loi. Ah, pas mal comme idée. Ah, ça pourrait faire une belle histoire. Et puis les trois petites souris qui marchent avec leurs cannes, elles sont si mignonnes. Yeah, pas si vite, je veux connaître la fin. Eh ben, Casper arrive au royaume. Bonjour tout le monde! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est pas mal, mais Casper n'arrive pas à rencontrer un ami. Hé! Hey, on pourrait raconter une histoire sur Casper qui va à un bal costumé. Ah! Ils ont l'air de bien s'amuser. Si j'avais un costume comme tout le monde. L'idée de fantôme. Excellente, je dirais même géniale. Mais c'est toujours le même problème, il n'a pas d'amis. Une histoire sur Casper Changleur, ce serait pas mal comme idée. Et une histoire où Casper vivrait dans un monde sous-marin. Tout le monde à bord. Venez faire un petit tour dans la merveilleuse caverne des vents. Vous éprouverez une sensation de volupté inoubliable. Vous venez essayer les toiles de mer tournantes, il n'y a rien de plus rigolo. Allez-y, il reste encore quelques places. Thank you.
maintenant, il faut trouver une fin qui soit originale. Oh, c'est pas difficile à imaginer, un gros requin qui essaie de le manger. Ou alors, il pourrait être pêché dans un filet. Ah oui, l'idée du filet n'est pas mauvaise. Excusez-moi, les amis, j'ai une idée originale pour votre fin de scénario, elle vous plaira. C'est un vrai fantôme. Tiens, c'est rigolo, c'est exactement la fin que j'allais leur proposer à ces deux-là.